Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Malcolm L. Vous l'avez vu au titre, sauf si vous êtes aveugle, je change de voiture. Vous le savez, la 206 a pris extrêmement cher entre peinture, post-it et carton. Je suis au regret de vous annoncer que la 206... A few moments later... Eh bien, va encore en prendre dans la carrosserie. N'oubliez pas, avant que la vidéo ne commence, un max de likes, un petit commentaire et on partage tout ça, ça serait incroyable. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième voiture. Vendue à plus de 2 millions d'exemplaires compacts, la Citroën ZX de 96 est un vrai dinosaure. Pour ceux qui n'ont pas compris, je passe de ça. Alors cherchez bien, cherchez une vraie petite bombe, hein. Ciao, au revoir. À ça. Alors ça, ça pue le vieux. Ça sent la retraite à plein nez, elle va lâcher dans pas longtemps. Ta gueule, les connards. Alors si aujourd'hui j'ai cette Citroën ZX, ce n'est pas pour rien, elle a été refusée au contrôle technique pour corrosion. Pas de stress, y a poignes. Vous vous en doutez bien, si cette voiture ne peut plus rouler officiellement, j'ai énormément de projets pour ce 150 chevaux. Vous et moi, nous ne sommes pas prêts. La série habituelle que vous avez adoré suivre sur la 206 fait une place à cette Citroën ZX. L'objectif est simple, finir par tous les moyens possibles ce turbo D 2 litres 150 chevaux. Évidemment, je compte sur vous, vos idées et votre présence. La dinguerie est là et la connerie n'est jamais finie. Bon, et si nous faisions maintenant un petit tour de la voiture, vous allez voir, rien n'est à son avantage. Pour commencer, on a ce siège. Je me suis assis dessus, c'est simple. Si vous asseyez dans une ZX et que le siège est creux, vous prenez une bosse, on vous voit plus. Ensuite, on a ce levier de vitesse. Clairement, si vous voulez jouer au tennis, bah vous avez juste à prendre un levier de vitesse avec... je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, ça se dévisse. Bon, soit. Alors, à noter, le frein à main, lui, tient très bien. L'inconvénient sur cette voiture, c'est les portières. Il faut toujours ouvrir de l'intérieur chaque portière. Sinon, bah, tu passes tes nuits dehors en fait. On a un poste radio. Hein. On met tout ce qui est vieux des années 80 ici et ça passe. Sinon, bah, c'est la merde quoi. Tout simplement, ça fait une très bonne cachette. Si vous êtes prêt à suivre cette série complètement débile sur cette Citroën ZX, sachez que vous ne serez pas déçu. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et on partage tout ça, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Malcolm, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, des bisous.